Merci beaucoup de me céder la parole. Merci également aux organisateurs pour cette première demi-journée tout à fait appréciable. Je voudrais commencer aussi par excuser mon collègue Christian Pfister, qui est retenu par d'autres obligations et qui m'a donc chargé d'être son porte-parole, lui qui est le spécialiste de Dunkerque, le spécialiste même mondial de l'amirauté de Dunkerque, un vrai puits de science sur cette amirauté du Nord. Il n'y en a pas d'autres, alors. Il n'y en a pas d'autres. Alors, juste peut-être pour commencer, un rappel, sans revenir sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure par Martina Serra sur le cadre de ces enquêtes. Effectivement, le propos se situe sur deux siècles, 17e, 18e, qui sont le temps fort de l'appropriation du littoral par la monarchie française, qui cherche à soumettre le rivage, pour reprendre la fameuse expression d'André Zisberg. Tout cela se manifeste par la volonté de construire un savoir d'État, inutile de revenir davantage, par la militarisation également des littoraux, qui s'inscrit dans la perspective de la construction d'une puissance navale. Le littoral qui nous intéresse, donc du Boulonnais et le littoral flamand, est à la croisée de ce grand dessein pour la France, hein, pour le roi et le bien de l'État, comme l'écrivait Colbert, et la nécessité aussi d'intégrer des territoires fraîchement conquis à partir de 1662. Puisque Dunkerque devient française à cette date, la Flandre maritime est intégrée définitivement en 1678. Et donc, les enjeux de l'appropriation du littoral du nord du royaume sont doubles. Ils présentent des aspects politiques, économiques, militaires. Dunkerque est à la fois un site militaire qui, d'un point de vue, est stratégique, à proximité des arsenaux anglais et hollandais. C'est également une place commerciale, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis plus largement, avec Calais, dont on a vu tout à l'heure l'emplacement sur la carte, Boulogne, eh bien ces trois ports forment un chapelet portuaire face à l'Angleterre, dont l'intérêt se mesure peut-être aux disputes et à l'âpreté de ces disputes, hein, pour la possession de ces trois ports. Rapidement, Dunkerque est prise en 1646, cédée à l'Angleterre, qui voit un intérêt, revendue à la France ensuite en 1662. Calais est reprise, je vais le dire comme ça, en 1558. Et puis Dunkerque constitue l'arrière-plan de toute cette réflexion qui s'ouvre dans les années 60 sur le projet d'un port militaire face à l'Angleterre. Le potentiel économique de cette région, de Dunkerque plus particulièrement, potentiel de pêche, la pêche locale, les trafics commerciaux n'ont pas échappé aussi à Colbert dans la perspective qui nous intéresse. Alors je disais à l'instant, territoire fraîchement conquis. En Flandre, cette réalité implique de documenter une région qui reste jalouse de ses particularismes, de leur préservation, de la préservation d'un certain nombre de privilèges, qui vont relever peu à peu de l'impératif politique, de la caresse qui flatterait ces peuples sur leurs privilèges et le commerce, comme l'écrivait le premier gouverneur de Dunkerque, le comte d'Estrade. Outre les inspections sur le littoral, la monarchie recommande donc à ses administrateurs de s'informer, de connaître, de découvrir la région. Les mémoires dues de Caligny, qui s'inscrivent aussi dans l'année 1698, comme on le voyait tout à l'heure, ou le mémoire de Barentin, sont le fruit de cette volonté. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, puisque je vais m'attacher à essayer d'avoir un regard comparatif, 1665 et puis 1782. À la fin du XVIIIe siècle, lorsque Daniel Charbon se rend à Dunkerque, la situation est en apparence différente. La Flandre est solidement rattachée au royaume, le centre de gravité militaire s'est déplacé vers l'ouest, dans la Manche, vers le complexe Le Havre-Cherbourg, et Dunkerque est un port moyen à l'échelle du royaume, privé également de toute vocation militaire. Bon. Les apparences ici sont trompeuses, parce que sur ce littoral flamand, les particularismes locaux persistent, avec une vivacité
qui n'est pas sans rappeler les relations que nous avons évoquées tout à l'heure, les relations entre la monarchie et les pays d'État. On est sur cette nature de relation. Et cette défense, la défense de ces particularismes locaux, repose ici, à Dunkerque, sur un goût prononcé pour le discours, spécialement lorsque la franchise portuaire est en jeu. Alors, dans cette région de la Manche, hein, où justement la mer, c'est le titre d'un ouvrage qui a quelques années, La mer pour deux royaumes, où la frontière est à la fois inventée par les hommes, impensée aussi dans les pratiques des hommes, je pense au smuglage, eh bien, les symboles occupent une place de choix. Et dans ces conditions, eh bien, on peut proposer de questionner les enquêtes au regard des représentations, au regard des discours, parce que la monarchie est aussi tributaire des interlocuteurs qui véhiculent ces discours et qui en sont les bénéficiaires. Alors justement, pour essayer de répondre à cette interrogation, j'organiserai mon propos en trois temps. Je vais d'abord m'intéresser au contexte des enquêtes. On a vu tout à l'heure que ça pouvait être nécessaire. Ensuite, je consacrerai un second temps au support de promotion locale, en quoi ces enquêtes sont aussi un support de promotion locale. C'est peut-être là que peut être abordée toute l'ambiguïté de la source, les réponses détournées, les réponses incomplètes qui ont déjà été évoquées tout à l'heure. Et dans un troisième temps, j'essaierai de proposer des pistes pour mesurer la place du discours du discours local dans ces enquêtes, de croiser le regard entre le regard de la monarchie et puis le souhait des locaux, le souhait des Dunkerquois. Alors, autour des enquêtes, en Flandre et dans le Boulonnais, parmi le bouquet des enquêtes qui nous intéressent, deux peuvent être prises en compte pour le propos d'aujourd'hui. L'enquête de 1665 sur les havres de France, confiée aux officiers des sièges d'amirauté, et l'enquête de Daniel Chardon sur les amirautés en 1782. Là aussi, deux types d'enquêtes, l'une confiée à une institution locale, l'autre à un envoyé du roi. Le cadre, deux enquêtes, 65 et puis Chardon, j'ai remis les documents. Le cadre qui nous intéresse, c'est celui du littoral nord, du département maritime de Dunkerque. Je ne vais pas aller jusqu'à Étaples. C'est aussi le cadre des sièges d'amirauté de Dunkerque, de Gravelines, Calais, Boulogne, Étaples. Donc moi, je vais me limiter ici à Boulogne pour rester sur ce chapelet portuaire entre Dunkerque, Calais et Boulogne. Gravelines accueille un siège d'amirauté jusqu'en 1671, on peut le mentionner, mais finalement, le siège de Gravelines est très effacé pour l'époque qui nous intéresse, puisqu'il n'y a aucune mention particulière, et seul Chardon l'évoque dans son historique de l'amirauté de Dunkerque. Alors, au printemps 65, lorsque les officiers du siège de nos amirautés, Dunkerque, Calais et Boulogne, reçoivent l'ordre du roi, l'arrêt du 24 janvier 65, ils lancent les opérations nécessaires à répondre à Colbert. Seule l'amirauté de Calais ne semble pas avoir répondu. On n'a pas de trace de l'amirauté de Calais. Le rapport du président et lieutenant général du Boulonnais exerçant la juridiction de l'amirauté, donc à Boulogne, eh bien, nous donne un récit assez minutieux de ce qu'a pu être le déroulement de ces opérations sur le terrain. L'arrêt du roi, par exemple, à Boulogne, est officiellement connu le 16 avril 65. Le lendemain, il nous dit que trois experts sont désignés d'office par les officiers de l'amirauté, et nos trois experts sont, dans plusieurs points, l'embouchure de la rivière locale, la Liane. A priori, on en parlait tout à l'heure, quel est le temps sur le terrain? Eh bien, les observations sont consignées sur un procès-verbal et adressées dans la foulée, mais on n'a pas plus de détails, adressées dans la foulée à Versailles. À Dunkerque, autre cas de figure, la réponse des officiers de l'amirauté est plus précoce, elle date du 26 mars, mais elle est également plus sommaire, puisqu'elle... Nos officiers de Dunkerque se contentent de reprendre le procès-verbal dressé par Châtillon, qui est passé, l'ingénieur qui est passé à Dunkerque les mois précédents. Les officiers du siège d'amirauté n'ajoutent que deux commentaires d'une trentaine de lignes,
Le premier porte sur la profondeur du chenal d'accès au port, qui passe de 12-18 pieds à 9-14 pieds. En fait, il perd en quelques semaines 3-4 pieds d'eau. Et le second commentaire évoque quant à lui le lest des vaisseaux qui se fait à la fosse mardique. On reverra, c'est juste à l'ouest de l'entrée du port. Ce qui est une manière de répondre au questionnaire de Colbert en abordant la question de la netteté des havres. Pour eux, c'est aussi une manière de se prémunir contre des éventuels reproches sur l'entretien du port, puisqu'ils disent bien que le lest y a été jeté du temps des Espagnols et des Anglais et qu'il est assez difficile de l'empêcher. En clair, ce n'est pas de notre faute s'il y a un ensablement du chemin d'accès. Alors, le résultat, c'est un traitement qui est fort différent des trois sites portuaires. Dunkerque fait l'objet d'une présentation panoramique. Présentation panoramique. Gravelines ne bénéficie que de six petites lignes, et encore, c'est pour dire que le lieu est à l'usage et à l'utilité incertain. Et Boulogne, eh bien, à Boulogne, on en reste à une description des moyens mis en œuvre pour l'exécution des ordres du roi, mais rien sur le site portuaire. Donc, on a vraiment trois traitements différents de l'information sur cette petite portion du littoral. Alors, ce constat amène à pointer le contexte. On a déjà évoqué tout à l'heure, et le contexte livre des éléments de compréhension sur les conditions de réalisation de la collecte de l'information. De toute évidence, à Dunkerque, les officiers de l'amirauté souhaitent en faire et en dire le moins possible pour éviter de donner prise à toute critique qui pourrait nuire aux projets qui sont en gestation, en réflexion sur la modernisation du port, une modernisation qui est absolument indispensable à l'époque après l'abandon relatif de la période anglaise. Plus au sud, à Boulogne, l'arrêt du roi est reçu à peine 2 ans et demi après la révolte des Lustucru. Alors, bien que Boulogne fût assez peu concernée et bien moins concernée que les campagnes, la répression a été féroce, la répression a laissé des traces. Et à Boulogne, se montrer zélé, c'est sans doute une façon de faire oublier l'épisode de 1662, le refus de financer le quartier d'hiver des troupes. Et en dire le plus possible, ici, c'est sans doute une réponse, hein, bien montrer qu'on répond à la demande royale. C'est aussi une manière de préserver le fragile privilège fiscal dont jouit le Boulonnais encore à cette date, qui sera confirmé que quelques années plus tard. Deuxième enquête, 1782, deuxième contexte. Un siècle plus tard, Daniel Chardon, lui, semble rencontrer des conditions qui sont beaucoup plus favorables. Le procès verbal qu'il dresse le 23 juillet 1782 est en conformité avec la grille de questions fixée par Sartine. Chacune des 10 thématiques qui structurent l'enquête reçoit un élément de renseignement et le tout forme 25 folios. Alors c'est fort modeste en comparaison aux procès-verbaux des autres amirautés du Ponant, de la Méditerranée, compte en moyenne 40-50 folios. C'est très peu par rapport aux 98 pages d'Aigues Mortes. Et à titre de comparaison, le procès-verbal de Calais, voisin, c'est 33 folios et celui de Boulogne, c'est 25. Donc déjà, il y a un élément qui appellera des remarques par la suite. La qualité informative n'est pas non plus au rendez-vous, car il y a des écarts notoires entre les rubriques. La présentation du siège d'amirauté, par exemple, occupe un peu plus de 2 folios. Rien que sur le siège d'amirauté, son historique, Chardon insiste sur cette amirauté girovague installée à Dunkerque, puis transférée à Gravelines, puis réinstallée à Dunkerque, mais en parallèle au maintien du siège de Gravelines. Et curieusement, son historique ne dit rien de toute l'histoire espagnole de cette amirauté dunkerquoise. Il passe. Alors que l'institution tire ses racines, justement, de cette époque. Chardon préfère à l'inverse aborder la question très locale au regard des attendus de la mission, des limites du siège de Dunkerque, des limites qui sont celles de la Flandre, de Nieuport au Fort Philippe, et il insiste très lourdement, faut le dire, sur les contestations entre cette amirauté et quelques autres, spécialement celle de Calais.
hein, où il relate les différends entre les deux sièges d'amirauté, où on reproche au Calaisie de vouloir augmenter son territoire aux dépens de la Flandre. Curieusement encore, Chardon ne dit mot des contestations qui existent autour des droits que perçoivent les officiers de l'amirauté de Dunkerque depuis 1662. Il n'évoque pas davantage les conflits que cela occasionne avec le pouvoir municipal local, le magistrat. Alors, les deux autorités se partagent non sans mal la régulation des activités portuaires et leur rivalité, en fait, pour corollaire, un conflit entre les familles du patriciat dunkerquois. L'amirauté est aux mains des Copins qui s'opposent aux Thierry. On est dans cette logique. Alors, la question qu'on peut se poser, Chardon est-il pris dans la nasse des Copins? Est-ce qu'il est dupe réellement de cette situation? On en revient à cette idée du contexte, hein, de la collecte de l'information. Ben, c'est pas sûr, parce que Christian Pfister a trouvé un document. Coup d'œil rapide sur les causes des plaintes des intéressés des corsaires armés à Dunkerque, qui est de la main de Daniel Chardon. Et le portrait que livre Chardon, portrait officieux que livre Chardon, est sans phare. Il a continuellement besoin d'argent au sujet du lieutenant général, Laurent Copins. Quant à Bernard Copins, oncle du premier, il n'est recommandable que par son inaptitude pour les affaires et son amour excessif pour les espèces. De tout cela, rien ne ressort dans le procès-verbal officiel. Pourquoi ? Pourquoi ne pas mentionner de telles appréciations qui pourtant seraient de nature peut-être à réformer une institution dont les pratiques sont contestées localement ? Alors c'est difficile à dire, sauf à considérer bien évidemment le contexte local où l'intégration de Dunkerque au royaume nécessite de ménager les particularismes flamands qui sont toujours très vivaces en 1782. Et d'une certaine manière, fermer les yeux sur les pratiques des Copins, c'est un acte de réalisme politique, une manière pour la monarchie de se positionner en arbitre des disputes des clans, entre les clans familiaux du patriciat dunkerquois, pour mieux circonscrire les prétentions libérales du magistrat, des bourgmestres et échevins, qui sont très attachés à leurs prérogatives et qui s'opposent justement au pouvoir de la monarchie. Au reste, la situation dunkerquoise à l'époque de Chardon invite aussi à considérer la difficulté que représente la collecte d'informations lorsque la langue utilisée n'est pas celle de l'envoyé du pouvoir. Difficile d'écouter les plaintes et les dénonciations, c'est la mission de Chardon, de questionner les praticiens lorsque leur langue d'usage est le flamand. Oui, tout ça est en flamand. Et donc Chardon doit nécessairement s'appuyer sur des interlocuteurs. Chardon doit aussi s'appuyer sur une documentation, il reprend sans doute aussi des travaux antérieurs. Alors, ces différentes remarques montrent combien les conditions locales jouent sur les modes opératoires des enquêtes et sur la qualité de l'information qui est recueillie au moment de ces enquêtes. Et c'est un constat qui me conduit à mon second point, les enquêtes en tant que support de la promotion locale. On va examiner maintenant le construit discursif qui peut être décelé dans ces enquêtes, peut-être essayer de tenter aussi de dresser une forme de sémiologie. Alors que les acteurs portuaires, les négoces, les corps de métier, les pouvoirs urbains adressent au pouvoir central des mémoires, des sollicitations visant à défendre leurs intérêts, ce n'est pas neuf, hein, c'est pas nouveau. L'activisme d'ailleurs de la cité flamande dans la matière est connu. Néanmoins, les différents balayages laissent de côté les enquêtes et laissent ces enquêtes dans l'ombre. Or, elles sont aussi des supports de promotion locale où l'on retrouve des représentations, des non-dits qui sont nécessaires à ce discours de valorisation, des invariants aussi, autant d'éléments qui, on va le voir, structurent l'acte de communication et un acte de communication qui doit nécessairement être protéiforme pour au final être efficace. Alors, d'abord 1665. En 1665, l'envoi du rapport de Châtillon en guise de réponse à la requête royale met d'abord en lumière que les Dunkerquois ont compris que ce procédé des enquêtes pouvait être tout à leur avantage. La manœuvre est assez habile, puisque le document qu'ils adressent à Versailles comporte des éléments physiques,
des pratiques locales et les améliorations possibles. C'est ce que demande, effectivement, ça correspond aux attendus du pouvoir. La manœuvre est habile, encore qu'elle ne permette pas de répondre aux 38 questions posées par Colbert, sauf 9 items sont renseignés, 5 le sont complètement, 3 partiellement. Mais l'intérêt, c'est que le texte délivre une présentation qui est tout à fait avantageuse pour Dunkerque, dressée de surcroît par un ingénieur dont la probité ne peut pas être mise en cause. Ainsi, on peut lire dans le document que la rade est bonne et sûre, hors de portée du canon, capable de maintenir 500 vaisseaux et plus, je demande bien comment ça peut rentrer, et qu'aucun n'est péri de mémoire d'homme, rien que ça. Quant au haut fond, le haut fond c'est un problème vraiment du port, ils sont signalés comme, alors c'est le point faible incontesté, ils sont au contraire signalés comme une zone de mouillage appréciée des marins, et comme un dédale protecteur en cas d'attaque par la mer. Je serais tenté de dire que les officiers de l'amirauté auraient donc tort de se priver. Ils envoient donc un document qui est tout à leur avantage. Pour tracer un parallèle, le contraste il est saisissant lorsque l'on lit le rapport que Chatillon a dressé sur le Havre. Ça devait faire son effet. Au Havre, par exemple, il nous dit que la rade a des défauts considérables. Très mauvaise tenue et fort sale, tant par les cailloux que la mer y porte que par le délestage des vaisseaux étrangers. Bon. Alors qu'à Dunkerque, on a une bonne et sûre rade. Alors, le rapport de Chatillon a en outre l'avantage de minimiser le problème de l'ensablement et propose même des solutions techniques, même s'il est peu probable que ces solutions techniques aient fait l'objet d'une moindre évaluation avant d'être tout à fait évoquées. On s'en remet au mouvement des écluses, des canaux de berg, de Zuidkost. Ce mouvement est présenté comme suffisant pour bonifier et nettoyer le port. Bonifier, c'est quand même un bel aphorisme, pour signifier qu'on s'en remet simplement à un effet de chasse pour nettoyer le chenal d'accès au port, un effet de chasse qui est réel, mais qui est tout à fait impuissant à curer vraiment le chenal d'accès. 20 ans plus tard, Vauban en offrira un témoignage, et c'est Vauban qui comprendra justement l'intérêt de cet effet de chasse, mais également la nécessité de le faire monter en charge. L'ensemble du propos de 1665 sonne juste, et c'était sans doute la meilleure option pour les Dunkerquois de s'en tenir à l'idée d'un bon site dont les qualités ne demandent qu'à être mises en valeur. C'était une très très bonne option. Un siècle plus tard, 1782, les attentes du pouvoir ont changé, pas les pratiques discursives des Dunkerquois, dont les progrès sont tout à fait appréciables sous la plume d'un Chardon qui est particulièrement complaisant avec Dunkerque. Par exemple, alors que l'activité portuaire devrait être un élément d'ambiance, le sujet occupe 10 folios sur les 25, donc une place tout à fait significative. Plus intéressant encore, rien ne manque, alors on a les différentes réponses, rien ne manque ici pour faire de Dunkerque un grand port, dans le procès-verbal de Chardon. Construction navale, la flotte marchande, les circuits commerciaux, un arrière-pays prospère. Sur les chantiers navals qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, il écrit « Il se fait annuellement à Dunkerque des constructions de navires marchands comme frégates, brigantins, dogues, corsaires, bateaux et corvettes. » Quant à la navigation marchande, Chardon avance que 140 à 160 unités dunkerquoises, des navires de 200 à 400 tonneaux aux petits bateaux nommés « Seug », là on a du mal à identifier ce que peut être ces navires, eh bien, l'ensemble de ces bâtiments naviguent dans le cadre d'un commerce aux colonies françaises, à la côte d'Afrique et avec l'Espagne et le Portugal. Il avance également que Dunkerque est au débouché d'un arrière-pays qui couvre la Flandre française, l'Artois, le Hainaut, le Cambrésis. Et le port est présenté par Chardon comme un port d'exportation qui profite de sa position de passage obligé entre l'Europe du Nord, il joue sur trois échelles, hein, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, le bassin des mers du Nord et le monde, et puis aussi point de passage obligé entre le continent et l'Angleterre. Systématiquement, le propos de Chardon est solidement étayé. Ainsi, au sujet du commerce entre la Hollande et Dunkerque, il détaille, il dit que les Hollandais apportent des épiceries, drogueries, sucres raffinés, boîtes teintures, de la taillanderie, mercerie, quincaillerie d'Allemagne, des fromages, des jambons, des tuiles, des carreaux. Bref, il dresse une liste assez détaillée.
il fait la même chose pour les produits que Dunkerque exporte en retour. En écho, le passage sur la pêche contribue encore à enrichir un peu plus l'image d'un grand port. Il se pratique la pêche à la morue à Islande, Terre-Neuve, Jutland, Shetland, Dogrebank, celle du hareng blanc à Yarmouth, celle du hareng pec à Jutland et celle du poisson frais. Bref, le procès-verbal de Chardon fait de Dunkerque un port idéal, un port qui surpasse presque le Havre, qui s'approche de l'échelle des ports atlantiques et apparaît sans conteste comme une pièce maîtresse dont la France ne peut se passer sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées d'Europe. Il y a un réel contraste entre les deux, entre 1665, procès-verbal qui est un emprunt servile des observations de Châtillon, et 1782, où le procès-verbal de Chardon donne un caractère officiel à tous les poncifs ciselés par les Dunkerquois, tous les poncifs prêts à l'emploi, que les Dunkerquois imaginent à partir du règne de Louis XIV, à chaque fois qu'il s'agit de répondre à une question du pouvoir. Alors, ces remarques mettent en avant la nécessité, peut-être, de conduire une analyse textuelle. C'est une analyse qui peut être menée à partir d'une documentation complémentaire, ce qui pose bien évidemment la question de son intégration. Alors ça, c'est une forme qui reste bien entendu à définir, c'est un défi lancé à Julio. Ça me conduit à ma troisième partie sur la mesure. Donc, comment mesurer la place des discours dans les enquêtes? Ça répond en partie à certaines préoccupations du programme Leto. Alors, dans le cadre des enquêtes sur le littoral, l'appréciation des écarts entre le dit et le réel présente un cas de figure qui est assez proche de ce que Christian Pfister avait mis en évidence pour les écrits des greffiers des sièges d'amirauté, où il avait bien montré que chacun avait ses marottes, que chacun avait ses habitudes et qu'au final, cela rendait l'exploitation des données très complexe au regard de l'étude de la navigation commerciale. Alors ici, le cas de figure est assez proche et deux méthodes sont à envisager. La première consiste évidemment à pointer les informations douteuses, les incohérences dans le système d'énonciation. Le texte de Chardon s'y prête facilement en raison de sa richesse textuelle. Deux registres thématiques peuvent être interrogés justement chez Chardon, le commerce des eaux de vie et le nombre de vaisseaux qui mouillent annuellement à Dunkerque. Alors dans le premier cas, pour le commerce des eaux de vie, Chardon indique d'abord qu'il se trafique 800 000 pots, c'est une unité de mesure qui est utilisée, sont échangés avec l'Angleterre, dont 500 000 le sont en fraude, à un moment donné. Plus loin dans le texte, l'intégralité des 800 000 pots est attribuée aux contrebandiers. Claire, on ne sait pas exactement ce qui relève du commerce légal et ce qui relève du smuglage, de la contrebande. Là, il est difficile de savoir si cette activité est une activité de niche, contrebande, ou si au contraire c'est un moteur pour l'économie dunkerquoise. Pour ce qui est du trafic portuaire, sur la période, les chiffres qu'avance Chardon sont assez étonnants, puisque aucune variation n'intervient au début des années 80, entre 71 et 82, ce sont les chiffres que produit Chardon, aucune variation n'intervient au moment de la guerre. À l'entrée en guerre, il n'y a aucune variation de ces chiffres, alors que l'on sait que la guerre est un élément perturbateur de l'activité portuaire, dont les effets peuvent difficilement être palliés par la seule contrebande, même si Dunkerque, a priori, en a fait sa spécialité. Voilà, ça c'est une première approche, je vous livre quelques exemples de cette possibilité de pister, de débusquer les incohérences. La deuxième approche consiste à examiner les écarts qui existent entre le dit et le réel et de le faire à partir d'un corpus documentaire externe, à défaut, bien évidemment, de disposer de l'ensemble des pièces produites avant et pendant l'enquête. Ce corpus documentaire externe permet de rassembler des éléments concrets de comparaison, la multiplication des points de vue étant de nature à corroborer, à nuancer,
à compléter, voire à infirmer les informations qui sont recueillies par la monarchie. Alors le contexte local, je renvoie à ce que je viens de dire en introduction, est très favorable. La trajectoire dunkerquoise ici s'inscrit dans des logiques politiques, économiques, militaires, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Dunkerque suscite l'intérêt, suscite la crainte, nourrit les représentations, sans compter la présence de commissaires anglais sur une bonne partie du XVIIIe siècle. Bref, la ville est assez documentée. L'horizon dunkerquois peut être approché à partir d'une documentation civile et militaire dont je vous ai mis une liste qui est loin d'être exhaustive. Documentation civile et militaire produite par les autorités locales, magistrats, chambres de commerce, amirautés, par l'administration royale, spécialement le secrétariat d'État de la marine, à laquelle on peut ajouter de l'iconographie, bien évidemment. Deux cas de figure, deux exemples, deux pointages, deux situations. La documentation périphérique disponible pour 1665 est postérieure. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de documents qui dataient exactement de 65 pour Dunkerque. La plupart des documents disponibles qui nous livrent d'autres informations de comparaison sont postérieurs à la guerre de Dévolution et à la guerre de Hollande. Pour Chardon, on dispose d'une documentation qui est contemporaine. Donc là, il y a deux cas de figure qui peuvent être dissociés. Parmi les entrées thématiques qui sont possibles, par exemple, en 1665, l'entrée thématique possible, c'est celle du site. Un site qui peut être décrit avec plusieurs critères d'appréciation. Ici, je vous en ai livré trois, le chenal, la rade et puis le désensablement, avec à chaque fois mise en vis-à-vis des données de l'enquête, des informations glanées dans la documentation périphérique et puis du bilan qui peut être tiré de l'écart entre les deux. Alors ici, on voit bien que le chenal, la description est tout à fait conforme à la réalité. En revanche, je le disais tout à l'heure, pour ce qui est du désensablement, il y a une surévaluation de la puissance de l'effet de chasse hydraulique. Le bilan pour 1665, le bilan de cette analyse textuelle, c'est la confirmation de la véracité du relevé de Châtillon, le relevé qui a été emprunté par les officiers de l'amirauté. L'aperçu est conforme à ce qu'est le littoral dunkerquois à l'époque. Il est néanmoins partiel, voire partial. Alors, il est partiel d'abord parce que le rapport s'en tient aux remarques qui sont traditionnellement formulées par les praticiens de la mer dans la première moitié du XVIIe siècle à Dunkerque. Le mouillage de la fosse mardique, voilà, le mouillage de la fosse mardique ou l'ensablement aurait pu appeler des éclaircissements supplémentaires. Donc voilà, Dunkerque, le fameux chenal d'accès, la fosse mardique est ici, et l'iconographie montre bien que le banc Schurken ici se soude progressivement au littoral et rend le passage de la fosse mardique, donc le mouillage sur lequel attendent les navires avant de pouvoir rentrer dans le port, rend ce passage impossible. Donc il faut que les navires... Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Il faut que les navires mouillent un peu plus loin, au large, et doivent tenir compte de cette évolution des fonds. C'est un vrai problème. Ici, l'iconographie nous montre bien aussi dans quel état est le chenal. Voilà le chenal d'accès à Dunkerque. Donc, oui, il y a réellement un ensablement. Partial. Le document est également partial parce que les officiers de l'amirauté convoquent justement le sable des dunes pour expliquer la mauvaise situation, spécialement la mauvaise situation ici du comblement de la fosse mardique. Or, le comblement est aussi le résultat du délestage des navires que les officiers sont incapables d'enrayer à l'époque. Deuxième test, avec le procès-verbal de Chardon en 1782. Là, je crois que la prudence est de mise et véritablement la comparaison avec les données externes invite à la prudence quant aux informations qui sont livrées par l'enquête Chardon. Si la description des rouages
du siège d'amirauté est conforme à l'institution qui est en place dans les années 1780, le reste est loin du compte, même très loin du compte. La description des activités portuaires, par exemple, a été établie à partir d'un mémoire de la Chambre de commerce de Dunkerque, établi sans doute en 1773-1774. On l'a dit tout à l'heure, Chardon ne cite pas ses sources, et là, il reprend mot pour mot. On a affaire à une copie. Ce sont exactement les mêmes phrases. J'ai mis quand même quelques temps à retrouver le document parmi la documentation de la Chambre de commerce, mais je l'ai, on l'a, avec Christian, voilà. Chardon a recopié une très large partie. Dire quel est le pourcentage de ce document dans le procès-verbal de Chardon est assez difficile, mais en tout cas, les informations sont très présentes, que ce soit pour les activités portuaires ou également pour la pêche. Certains passages donc sont identiques, d'autres passages ont été mis à jour, il y a eu une mise à jour, quelques chiffres ont été ajoutés. Bon. Et puis les quelques lignes qui sont consacrées à la construction navale, on y revient encore, cette fameuse construction navale, sont tout à fait éclairantes, des manques, Chardon n'est pas allé plus loin. Le peu de détails que livre Chardon, je citais tout à l'heure le document, masque en réalité des chantiers fort modestes, si ce n'est léthargiques, comme l'indiquent les chiffres de l'enquête Pouget, qui a été réalisée en 1786, et qui prend appui sur les déclarations des officiers de l'amirauté, ceux-là même que Chardon a rencontrés en son temps. On a un écart très substantiel. Alors pour conclure, pour rester dans le temps qui m'est imparti, je crois que quels que soient les motifs qui poussent aux enquêtes, ils ont pour conséquence de faire accéder la monarchie à une meilleure connaissance des rivages boulonnais et flamands. Et sur ce fondement, au moins l'enquête Chardon contribue à sortir Dunkerque de la perspective corsaire dans laquelle l'avaient positionné les impératifs de la guerre sur mer depuis l'époque de l'armada des Flandres. Poser la lumière sur le commerce, le smuglage, la pêche, les manufactures, même si c'est hors sujet par rapport à la réforme des amirautés, eh bien, cela contribue à dessiner un autre profil que celui du nid de Capre, encore que la position des Dunkerquois à ce sujet soit tout à fait ambiguë, puisqu'ils revendiquent ce statut corsaire tout au long du XVIIIe siècle. Et là, ça renvoie également à ce jeu des acteurs. L'État monarchique, quant à lui, soucieux d'efficacité, doit savoir connaître et pour agir, savoir et connaître pour agir, pardon, peut-il vraiment le faire à partir des informations recueillies sur le terrain? Dans le cas dunkerquois, les deux enquêtes sont indissociées, alors que celle de 1665 pose les bases d'une intense réflexion sur l'environnement portuaire de Dunkerque et sur les aménagements que réclame l'opérativité du port dans la perspective des guerres de Louis XIV. L'enquête de Chardon à des répercussions locales qui sont moins évidentes à apprécier. D'une certaine manière, l'enquête rate sa cible, puisque les réformes qu'elle inspire ne bouleversent pas vraiment les usages locaux, les usages des officiers de l'amirauté de Dunkerque, qui, de toute façon, vont continuer à faire comme bon leur semble jusqu'à la Révolution. Entre les deux dates, il faut reconnaître, cependant, que les Dunkerquois sont passés maîtres dans l'art de la promotion de leur cité. Le procès verbal de 1782 est tourlé d'arguments taillés sur mesure qui font écho justement à la diffusion d'une iconographie dont la fameuse gravure de Royer, ici, est la plus belle expression. Il y a vraiment une offensive de communication de la part des Dunkerquois vers le pouvoir central. Et ce constat invite naturellement, évidemment, à ajouter à la recherche sur les enquêtes du littoral un volet méthodologique consacré à l'analyse textuelle de ces enquêtes. Derrière les mots se diffusent discours promotionnels, communication, stratégie de l'image. Le texte de Chardon est tout à fait révélateur des représentations entretenues par les Dunkerquois au sujet de leur port. Et ce texte en dit finalement davantage sur le lobbying des villes portuaires que sur les nécessaires mesures à prendre dans le cadre d'une réforme sur les amirautés.
La réalisation des enquêtes renvoie en outre à la question sous-jacente, on l'a dit tout à l'heure, des interlocuteurs dont dispose la monarchie sur le rivage. Elle renvoie aussi à la question de la place qu'occupent ces intermédiaires dans le processus de collecte de l'information constitutive du savoir officiel. Alors l'on sait combien celui qui tient la plume peut façonner l'écrit et en modifier l'esprit initial. Dans le cas qui nous intéresse, seuls 3 experts sont mentionnés en 1665 à Boulogne, pas Dunkerque, à Boulogne, c'est Jacques Sauvage, Eustache Boucher, Henri Carry, ancien maître de bateau et maître maçon pour le troisième. En 1782, la situation est pire encore car les officiers de l'amirauté de Dunkerque monopolisent complètement la parole. Il y a la présence d'aucun autre praticien de la mer. Aucun connaissant, comme on le disait tout à l'heure, n'apparaît, ni les armateurs, ni les pilotes, qui sont pourtant une corporation extrêmement importante et nécessaire à la vie du port, ni même les pêcheurs, dont le Minc, le marché aux poissons, n'est pas si loin du siège de l'amirauté de Dunkerque où se rend Chardon à l'époque. Alors, analyser les enquêtes sous l'angle des discours invite donc à s'intéresser aussi au rôle de l'enquêteur. On l'a dit tout à l'heure, à sa formation, à sa trajectoire professionnelle, à sa trajectoire personnelle, aussi à la matérialité de son travail, à la place qu'il occupe dans le processus de l'enquête, à son pragmatisme, aux arbitrages qu'il faut rendre dans des intérêts, entre des intérêts divergents, entre les intérêts des clientèles, des réseaux, des parentèles, mais également entre ceux qui existent entre les différents départements ministériels, voire au sein du seul secrétariat d'État de la Marine. Le silence de Chardon au sujet des agissements du clan Copins, qui sont loin d'être des anges, est à comprendre dans cette perspective. Le lieutenant de l'amirauté, Bernard Copins, tient en effet l'expédition du charbon des mines d'Anzin, utilisée par la marine dans les fonderies d'Indrette, dans les fours à chaud de Brest et pour l'entretien du phare de Cordouan. L'ensemble de ces considérations invite évidemment à mettre en évidence les capacités d'adaptation des enquêteurs aux réalités locales, au point d'en épouser parfois le point de vue, comme c'est le cas avec Daniel Chardon. Elle montre combien la continuité de la politique maritime de la France sous l'Ancien Régime passe aussi par un jeu permanent d'accommodation, un jeu d'optique avec la réalité. Alors, pour reprendre une phrase que j'ai beaucoup aimée, hein, certes, surveiller n'est pas punir, mais à Dunkerque, être surveillé, c'est déjà être puni parce que le regard du roi, on parlait de résistance tout à l'heure, eh bien, le regard du roi est vécu là-bas comme une atteinte.